quotidien La Presse nous apprenait que Mohamed Rifat, un jeune homme extrêmement proche d'Adil Sharkawi, serait parti en Syrie, selon les autorités canadiennes. Mohamed Rifat n'est parti que très récemment. Nous savons en effet que le 23 novembre 2014, il manifestait contre l'islamophobie aux côtés d'Adil Sharkawi. Ce n'était pas là la première fois que le jeune Rifat participait avec Adil Sharkawi à un événement public. En septembre 2013, Rifat figurait à ses côtés lors de la manifestation contre la charte organisée par le collectif dont Sharkawi est le porte-parole. يا شيخنا البغداد يا أميرنا يا شيخنا البغداد يا أميرنا زلزلت كفرا وفككت سيرنا إلى الأمام تقدموا إلى أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. Une source très fiable avec laquelle j'étais rentré en contact dès le mois d'octobre 2014 m'a appris que Mohamed Rifat était à la mosquée de Sharkawi le 1er janvier 2015. D'après cette même source, le jeune Rifat serait parti à la mi-janvier en Afrique pour la Coupe des Nations qui s'est tenue du 17 janvier au 8 février 2015. Et depuis, aucune nouvelle. Il fréquentait assidûment la mosquée Asaaba du centre islamique de l'Est de Montréal, présidée par Adil Sharkawi et cofondée par Saïd Kourimi. En fait, le jeune Rifat vantait les sermons de Adil Sharkawi, qu'il considérait comme un cheikh en islam. Citation. « Cheikh Abu Abdallah Sharkawi, qu'Allah accepte ses œuvres. Venez à la mosquée Saaba, Alaka en français, le centre communautaire islamique de l'Est de Montréal, mosquée Asaaba, 4201 Bélanger. Vous ratez quelque chose de grand, les frères », écrivait-il sur Facebook.